C'est allemand d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on croit. Vérifiez mon JB, s'il vous plaît. JB ! Je le réveille. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît ? Hervé a continué de discuter avec l'artisan et peut-être le papa de l'artisan, mais finalement, tout le monde a raccroché. Hervé peut faire un petit point. Alors Hervé ? Bon, le point va être très très rapide. C'est le jeu du chat et à la souris, du jeu du chat et de la souris. Pas, je ne connais pas les règles de ce jeu, mais il a l'air bien compliqué. Oui, il y a un chat et une souris, mais alors qui fait quoi là-dedans? Bien malin dans votre explication. Je fais toujours le chat. Le jeu du chat. Je fais toujours le chat. La cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise parce qu'il mélange les expressions, les proverbes, les fables de La Fontaine. Totalement. Alors, la règle d'or sur RTL. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je sens qu'il va me plaire celui-là parce qu'il a l'air sympathique. Bon, écoutez, franchement, ne parlez pas comme au bistrot, maître Nankovic. Je vous rappelle que nous sommes une émission de grande tenue. Alors, juste quand vous vendez un numéro. Je vais remonter l'information et on vous rappellera donc immédiatement. Donc, c'est bien sûr le 06-23-08. Si vous prenez sur le numéro d'Hervé Pouchol à l'antenne, donc il va être bloqué et du coup, il y a des tas de jeunes femmes qui attendent désespérément de la voir qui ne pourront pas la voir. Bon. Oui, Julien, savez-vous que d'après Se Loger Construire, le délai moyen de construction d'une maison à partir de la signature oscille en moyenne entre 8 et 12 mois. Mais si on enlève la paperasse et les délais légaux, le temps réel de construction est normalement de 6 à 7 mois. Eh bien, merci, voilà, mon JB. Bah oui, je sais bien que c'était vous. J'arrive quand même à vous reconnaître entre vous et Céline, mais ça devient de plus en plus compliqué, je dois le dire. Alors, nous. Si on n'a toujours pas le propriétaire pour la caution, ne vous inquiétez pas. Dès demain, on y revient. Plateforme RTL M6. Est-ce que ça a avancé de ce côté-là, Hervé Pouchol? Écoutez, ça bouge, elle fait un travail formidable, Céline. Faut quand même le dire et le J'aimerais redire. J'aimerais tellement qu'un jour quelqu'un puisse me dire la même chose sur vous, Hervé Pouchol. Bah 20 ans que j'attends. C'est vrai. Mais moi, je voulais lui rendre hommage mais aujourd'hui parce qu'il fait un travail extraordinaire. Mais vous êtes tous formidables. Allez, mettez-moi une musique qui résume bien, en fait, ce que représente pour les téléspectateurs celle qui va présenter le 12-45 dans quelques instants. C'est un monde qu'on dirait. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Comment ça va, Karine? Ça va, merci. Merci pour cet accueil. À demain, en direct. Toujours en direct.